rappeler que c'est un événement qui est organisé de façon 100% bénévole, qu'il n'y a pas de parti politique, qu'il n'y a pas de syndicat derrière l'organisation de cet événement. Et je voudrais, si c'est possible, que la salle fasse d'énormes applaudissements à tous ces bénévoles qui sont dessus depuis des semaines. Merci pour eux et merci pour nous. On a notamment une bénévole très très puissante dans le collectif qui s'appelle Camille, qui est notre coordinatrice. Et notre coordinatrice, elle a quelque chose qui lui tient beaucoup 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 à cœur, c'est l'alimentation comme levier territorial global. Ça peut paraître un truc un peu vague, mais il s'avère que bizarrement, quand on arrive à faire rejoindre les intérêts du citoyen lambda, de l'agriculteur et de la collectivité, eh bien, on arrive à faire bouger certaines choses, parfois de façon un peu inattendue, parfois de façon complexe, parfois de façon un peu périlleuse, voire accidentelle. Et on va avoir ici plein de personnes qui vont pouvoir en parler. Alors, Camille, tu me conseilles de commencer par qui ? On va commencer avec Élise Garnier, alors, qui est ici, qui est l'agricultrice. Bah oui, c'est vrai, parce que si on veut parler d'alimentation, ça commence bien quelque part. Et Élise, tu vas te présenter, puis tu vas nous expliquer ce qu'on s'est un peu raconté et ce qui rentre en corrélation avec ce qu'on vient de dire. D'accord. Donc moi, je suis Élise, je suis agricultrice à La Ferté-Loupière, pas très loin de Joigny. On est en polyculture élevage. Donc c'est-à-dire qu'on fait des céréales, toute l'exploitation est en bio, et des volailles de chair, donc poulet et pintade, que l'on vend uniquement en vente directe. On a également l'abattoir à la ferme pour le respect du bien-être animal, et les poussins en fait arrivent le jour de leur naissance, et on les emmène jusqu'à la cuisine des gens. Au niveau du débouché, donc voilà, justement par rapport à la restauration, donc nos canaux de distribution, c'est les particuliers, les AMAP, donc les associations de maintien pour le maintien de l'agriculture paysanne. Et parfois de proximité. J'ai échappé à un euro. Et parfois de proximité. Et de proximité. Donc le principe, en fait, nous, c'est que les clients passent leurs commandes et on va livrer dans les AMAP. Donc ça nous fait un point où différents clients viennent récupérer leur volaille. On a également un restaurant bio à Auxerre. Et après, on livre dans les biocoops d'Auxerre et de Sens. Mais ça reste direct parce qu'en fait, on leur dépose chaque semaine les polygons. Qu'est-ce que j'oublie ? Et donc du coup, la restauration collective. Donc là... Les volailles en restauration collective, en fait, nous, on ne passe pas par la plateforme AgriLocal. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au fait de la plateforme AgriLocal. Je pense donc que c'est, c'est normalement une plateforme qui met en relation la restauration collective et les agriculteurs. Donc, dans le cadre de la loi Egalim, la restauration collective doit avoir un minimum de bio et de local dans la cuisine qu'ils proposent aux enfants ou aux personnes. Enfin, voilà. Qui fait AgriLocal ? C'est la Chambre d'agriculture ? C'est le ministère de l'Agriculture ? C'est le conseil départemental, je crois. Et donc voilà, c'est l'idée à la base qui est plutôt pas mal. Mais avec toutes les dérives où en fait on se rend compte qu'on n'a pas du tout les mêmes intérêts entre la restauration collective et l'agriculteur. Parce que les cantines sont aujourd'hui beaucoup trop grosses. Les cantines, les regroupements pour les écoles, les collèges. Et moi, quand on me commande 800 cuisses de poulet, par exemple, bah, c'est pas possible, en fait, parce que 800 cuisses, ça fait 400 poulets, ça fait un quart de mon poulailler. Je ne peux pas abattre 400 poulets d'un coup, et puis il me reste tout le reste du poulet, en fait. Donc, c'est pas possible. Et ça, c'est la problématique, vraiment. Mais a priori, ils n'ont pas trop compris. Enfin, qui n'a pas trop compris ? Personne, en fait. la restauration collective, ils essayent de quand même demander des produits locaux. Sauf que eux, bah, forcément, ils ont en face des personnes à nourrir, donc ils ont besoin de quantité. Ce qui n'est pas de leur faute. Mais la plateforme ne comprend rien. Quoi. Enfin, la plateforme est faite par le conseil départemental. On leur dit qu'il y a un problème de quantité et il y a 15 jours, ils nous ont proposé que le conseil départemental achète 1,6 tonne de lentilles à un agriculteur
Et après, il avait 15 jours, l'agriculteur, pour aller livrer tous les collèges de Lyon. Donc, on ne sait même pas quelle quantité par collège. Et, enfin, je veux dire, un agriculteur qui a 1,6 tonne de lentilles à vendre, il s'y prend un peu en avance pour essayer de les couler. Et puis, on ne sait pas où on doit... Enfin, voilà, on doit faire le tour de Lyon pour aller livrer. On ne sait pas combien de lentilles par collège, quoi. C'est peut-être 10 kilos. Il y a cette problématique-là aussi. Des fois, on peut nous commander rien, quoi. Voilà. C'était mon petit coup sur AgriLocal. du coup, nous, on travaille avec la restauration collective plutôt avec des humains, en fait. Il s'avère qu'on livre le collège de Saint-Georges, Dayan et le lycée Vauban. Et en fait, c'est parce que la chef cuisinière est passée du collège de Saint-Georges. Juste pour dire, le lycée Vauban et... Ayant-sur-Tholon, c'est une petite commune du coin, et les deux, et l'autre lycée, l'autre collège sont à Auxerre. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et en fait, la chef était à Saint-Georges avec une gestionnaire qui était top aussi. Donc c'est comme ça que c'est parti. C'était au moment où maman s'en occupait. Parce que du coup, je suis installée sur la ferme avec ma mère. Voilà. On la voit sur la photo là-haut. Voilà. Mais tout le monde la connaît. Et du coup, la chef est après allée à Ayan, donc du coup, elle a demandé des poulets à Ayan, et maintenant, elle est partie à Vauban, et du coup, on livre à Vauban. Donc, c'est vraiment une question humaine et pas d'appel à projet, d'appel... voilà. Et il s'avère que d'appel les chefs d'offre. Maintenant... Ouais, c'est pas un appel d'offres. Il s'avère que les chefs de Saint-Georges et d'Ayan sont beaucoup moins convaincus que la chef précédente. Donc, c'est vrai que... Les quantités maintenant sont vraiment ridicules, quoi. Enfin, le collège d'Ayan, il y a quand même 600 enfants et ils me commandent 15 poulets. Donc voilà. Est-ce qu'ils expriment leur motivation pour ne pas faire appel à toi ? Eh ben, en fait, en général, moi, je les appelle pour leur demander s'ils veulent des volailles. Ils me disent non. Je pleure en disant mais vous vous rendez compte que nous, on a besoin de votre débouché ? Ils disent bon d'accord, alors on en prend 15. Voilà. Et non, en fait, c'est pas ça. Donc, je me suis rendu compte une fois, parce que j'avais un peu oublié le jour de la livraison. Et je me suis dit, mince, quand est-ce qu'il faut que je les livre et tout ça. Je me suis dit, je vais aller voir sur Internet, il y a peut-être le menu. Et je vais voir quand est-ce qu'il y a le poulet, quoi. Et en fait, le poulet était proposé le même jour qu'un cheeseburger. Donc, forcément, voilà. J'ai compris comment ils essayaient de réguler. Voilà. Et sachant que dans la loi Egalim, le bio de chez Métro fait partie du bio. Donc, c'est pas... Enfin, Métro, qui est un grossiste en fourniture alimentaire. Voilà. Donc, enfin, il n'y a pas de... Après, au niveau des prix, ils n'ont jamais chipoté, pour le coup. Donc, ce n'est pas une histoire d'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de personne. D'accord. Et je pense. Voilà. Donc, et en dehors du poulet, est-ce que tu fournis autre chose ? De la pomme de terre avec une cuisine centrale, des choses comme ça ? Alors, les pommes de terre, ça a été pareil. En fait, j'ai répondu à des appels à projets. Enfin, des appels d'offres, pardon. Excusez-moi, j'ai... Et ça m'est arrivé d'en livrer au collège de Sens. Et voilà. En fait, en général, la première approche, quand ça se passe bien, les collèges reviennent. Après cette année, j'avais moins de pommes de terre, donc j'ai pas répondu. Voilà. Mais bon, il n'y a pas de frein majeur à ce que ça fonctionne, hormis le facteur humain, visiblement. Alors après, par exemple, on a des lentilles que j'ai proposées sur AgriLocal. Il y a beaucoup de producteurs de lentilles, dont certains qui doivent les vendre moins cher, je pense. Et voilà. Après, effectivement, quand je parle de facteurs humains, c'est que les lentilles, moi, c'est la première année que je les proposais sur AgriLocal. Et les chefs avec qui j'en ai discuté physiquement m'ont dit, en fait, on en a toujours pris à telle ferme, donc on est assez fidèles, on a envie de rester. Et je trouve ça aussi pas mal, en fait, finalement, plutôt que de répondre à des appels et puis prendre un peu n'importe qui, voilà. Les chefs ont quand même ce côté humain et ils sont attachés aux produits qu'ils connaissent et aux personnes, je pense aussi. Donc, ils ont la faculté administrative d'aller vers ce qui leur plaît et pas seulement ce que leur impose l'appel d'offres. Oui, je pense. Et puis, une petite anecdote, notamment pour les pommes de terre, c'est que le jour où j'ai livré des pommes de terre au collège de Chablis, j'apporte mon sac et la dame ouvre et elle dit « Oh là là, je regarde parce que c'est moi qui les épluche ». Et en fait, elle me dit « Oh, mais c'est des vraies pommes de terre !» Je dis « Bah oui !» Et elle me dit « Oh là là, mais la différence !» En fait, les dernières... Enfin, c'était la première fois qu'elle avait des pommes de terre de ferme qui arrivaient.
Et en fait, la dernière livraison, sur les 100 kilos, elle a pu en garder que 25. Et du coup, le chef a dit, en fait, financièrement, on est gagnant. Parce que là, moi, je leur ai certainement vendu plus cher, mais tout ce que je leur ai vendu, ils l'ont mangé. Et ils gardent même la peau des fois, parce que c'est bio, donc ça évite les plus chers. Donc ces arguments-là commencent à prendre. Les collèges et les lycées ont des cuisiniers, ce qui n'est pas forcément le cas avec d'autres échelles d'école. Tu as rencontré des freins par ailleurs sur d'autres types de fournitures en resto-co? Du coup, les cuisines centrales pour les petits, ça c'est pas du tout gérable en fait pour nous. Pour le coup, ils sont vraiment, ça demande vraiment des quantités trop importantes. Même si ça reste des cuisines, donc ils ont la possibilité de découper la volaille. Parce que quand on me demande que des cuisses, c'est parce que c'est des micro-cuisines, en fait. En fait, les quantités sont trop importantes parce que, pareil, il leur fallait 500 poulets, quoi. Et moi, 500 poulets, c'est pas possible, quoi. Je peux pas... On fait des abattages de, en moyenne, 150 par semaine, donc 500 d'un coup, c'est pas possible. Donc voilà, c'est vraiment la problématique de vouloir recentraliser. Et en fait, y a des cuisines centrales qui ont été créées, donc on recentralise, on fait des trucs énormes. Et après, on dit aux paysans, on se disait que ça pourrait être pas mal qu'on travaille ensemble. Non, c'est pas possible. Il faut que ça se monte en commun, en fait. Je pense. Et puis, restons à des échelles raisonnables, quoi. Ouais, c'est l'un des écueils qui sont rencontrés souvent sur les cuisines centrales, qui nous ont été déjà rapportés l'année dernière, et puis qui sont peut-être encore évoqués ici. On va voir. Merci beaucoup, Élise, à moins que tu veuilles rajouter autre chose. Non, c'est... Merci. Chef, j'interroge qui maintenant? Tu seras allé chez qui? Ah, Jean. Alors, Jean Massé, un élu territorial qui a certainement quelque chose à dire par rapport à la capacité de son territoire à fournir ses citoyens. Oui, bonjour à tous. Jean Massé, maire de Saint-Empuisé, paysan en retraite depuis 6 ans, bio depuis 78. Et nous, le bio est installé à sur 800 hectares, ça vous donne quelque chose. Quand le maire de hier, il a dit qu'il allait supprimer les impôts fonciers au bio, moi, je ne les supprime pas, hein, parce que 800 hectares, ça va me faire un sacré trou dans mon revenu. Hein. Surtout qu'on n'a plus la taxe d'habitation, il ne faut pas l'oublier. Hein. Qui c'est qui va entretenir les chemins et les routes? Non, c'est le mot pour rire, mais il faut le dire. C'est bien d'inciter, mais... Tu réfléchis. C'est que tout le monde ne peut pas inciter de la même manière. Alors moi, nous, on a une cantine. Je vais commencer par là. On est une cantine, un groupe scolaire qui est de 1955. Et il y avait 100 gamins à l'époque quand j'étais à l'école. Maintenant, il y a 60 repas par jour. On a tous les niveaux, toutes les classes. Et on fabrique de la cuisine depuis 1955. On n'a jamais arrêté de faire la cuisine. Alors, il y a eu plein d'évolutions, hein, parce qu'avec toutes les normes, maintenant, on est aux normes top du top. On a de légumerie, on a la marche en avant, la marche en arrière. On a tout ce qu'il faut. Et on se sert localement le plus possible. On a des producteurs de légumes, on a des producteurs de pain, on a des producteurs... Parce que je dis producteurs de pain parce qu'il y a des paysans boulangers, il y a des paysans, des boulangers tout court, des boulangers pâtissiers, enfin, il y a de tout. Mais on a trois... On se diversifie dans trois boulangeries pour que les enfants aient du pain de plusieurs modèles. Ils ont un pain blanc, ils ont deux pains bio. Alors comme ça, les parents ne peuvent pas nous dire « ils mangent que du bio ». Mais ça fait goûter aux parents, aux enfants. Et en plus, ils aiment bien le pain bio. Il n'y en reste jamais. Alors ça, c'est bien. Excuse-moi, Jean, mais tu as des parents qui se plaignent d'avoir que du bio. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas du tout bio. Il y a des parents qui ne sont pas du tout bio. Ils n'ont rien à fiche que ce soit du bio. Mais comme on diversifie comme ça, ils ne peuvent pas me dire que je mets que du bio. Personne ne m'en parle. D'accord. Non, mais ils ne sont pas bio. Oui, mais ils rejettent le bio. Y en a qui rejettent le bio. Et est-ce que tu peux dire pourquoi, quand même? Parce que c'est trop cher, parce que c'est un lobby, parce que... Enfin, parce que... Oui, mais bon, ça n'existe pas. Enfin, bon, mais ça, c'est... Tout le monde autour de chacun a quelqu'un qui refuse le bio. Et des fois, c'est des amis. Hein. Bon, bref, allez. Je continue. Parce que si tu m'arrêtes tout le temps, ça ne va pas le faire. On vient de perdre 2 minutes, je te les dégrève. Bon. Ensuite, tout le reste, la viande, c'est le boucher local qui tue ses animaux à l'abattoir de Cône. Non, Cône, chez nous. Chez nous, on va à Cône, la puiser. Et on a toute la viande à proximité, le jour qu'il faut, à l'heure qu'il faut, pas de problème. Les poulets viennent de Tingy, c'est bio, pareil, c'est abattu à Tingy.
Ben c'est pareil, on commande ce qu'on a besoin. Et les légumes, c'est un maraîcher qui habite sur la commune. Et quand on n'a pas assez, on va se dépanner chez un autre maraîcher. Ou après, ben là, de temps en temps, on va déjeuner sur l'herbe quand ils ont les produits. Mais vous savez, quand il fait sec ou quand il fait trop froid, des fois, les légumes, ça dépend les menus, ça dépend... Déjeuner sur l'herbe, juste rappeler que c'est une boutique de producteurs qui se tient à Toussy, à quelques kilomètres de la commune. Ouais, c'est 12 kilomètres de la commune. Et bon, bah là, c'est pareil, on y va, on se trouve à l'occasion, on prend nos huiles, on prend tout ce qu'on a besoin pour faire de la cuisine. Enfin, on essaye au maximum de prendre du bio, maximum. Bon, après, quand ça dérape, quand il y a un problème, eh ben, on va à notre grande surface, proche, à Saint-Sauveur, à 5 km, et puis on prend ce qu'on a besoin, et puis tout, parce qu'il ne faut pas non plus rester pur et dur, parce que sinon, on ne fait plus rien. Le personnel, il faut aussi qu'il travaille. Il ne faut pas que quand le maraîcher dit ben, « j'ai pas pu récolter les légumes, parce que ceci, parce que cela, bon, faut pas que ça nous bloque. Bon, bah ça. Autrement, alors, j'ai fait à peu près le tour de notre aliment, de notre approvisionnement de notre cantine. Des maraîchers bio à Saint, il y en a. Tout à l'heure, je disais 3, mais il y en a 4 même. Il y a 4 maraîchers bio. Pour une commune de combien d'habitants ? 550 habitants, dernier recensement. Il y a encore 30 paysans quand même. Hein. Il y a encore 30 paysans, mais. Bon, c'est des occasions. Hein. Il y a une fleuriste qui est venue. Elle n'est pas maraîchère, elle est fleuriste. Elle est venue, elle a acheté un terrain, un grand terrain. Puis son frère, il était à côté, à 5 km. Il était maraîcher, lui, puis un gros maraîcher. Enfin, un gars qui travaille bien. Mais ses toiles de serre, il s'envolait tous les hivers. Alors un jour, il vient me voir en pleurant. Il me dit, Jean, il faut que je m'installe à Saint, il faut que tu te débrouilles, il faut que je trouve des terres, tout ça. Ben, j'ai dit, vois avec ta sœur, elle en a grand, elle peut peut-être vous arranger. Puis du coup, ils se sont arrangés, puis ils sont arrivés là. Après, on a trouvé un autre maraîcher qu'on a installé sur un terrain communal. On lui a loué 1 hectare de terre. Bon, lui, il a des légumes quand les autres n'en ont pas. Des fois, ça nous arrange, mais des fois, ça ne nous arrange pas. Mais bon, on fait avec. S'il arrive avec ses légumes au mois de juillet-août, les écoles sont fermées. Alors, on a toujours un petit peu de décalage avec lui. Et puis, il y a un autre maraîcher qui s'est installé. Enfin, une autre maraîchère qui est venue en stage chez mon maraîcher que je parlais, là. Et puis, qui est resté à Saint. Son papa a acheté une ferme et puis a fait du maraîchage aussi. Alors, oui, il y a des maraîchers, on n'en manque pas sur la commune. Autrement, qu'est-ce que je veux dire d'autre ? C'est en régie, nous on n'a pas d'appel faute d'offre, il n'y a rien du tout. Comme on est une petite commune, on ne vient pas nous emmerder. Hein, ben non, mais ça c'est pour ça que je ne veux pas adhérer à un tas de trucs, parce qu'après, quand tu adhères à des structures, après tu es obligé de faire des appels d'offres. Et comme ça, nous on n'adhère à rien, on prend chez l'un, on prend chez l'autre. Et puis les pommes, ça vient de Bonny, parce qu'ils font des pommes bio. Et puis c'est assez, c'est assez traditionnel. On a l'habitude d'aller là-bas, bon, c'est des habitudes. Hein. Vous savez, c'est souvent les habitudes. Les patates, ils venaient de Saint-Privé. Mais l'an dernier, ils n'ont pas eu de patates parce qu'il faisait trop sec. Alors du coup, bah, c'est le maraîcher qui a pris sur son stock. Alors ça ne l'a pas trop arrangé, mais bon, c'est pour nous. Il nous fournit en patates. Mais ce que tu es en train de nous raconter, en fait, c'est que cette toute petite commune de 500 habitants fait fonctionner combien d'exploitations ? Oh, on ne peut pas dire qu'elle fait fonctionner les exploitations. Elle est cliente chez combien d'exploitations ? Je suis au moins 5 exploitations, 5-6 exploitations. Parce que les lentilles, on les prend chez un autre, la farine, on la prend chez un autre. Il y a tout ça. Ben, enfin, plus les 3 boulangers. Quoi. Plus les boulangers. Ben, mais les boulangers, ils ne fournissent pas la farine. Si on leur achète de la farine à eux, ça va nous coûter trop cher. Si on va chez le paysan, on a toujours un petit cadeau en plus, parce que bon, c'est la cantine quand même. Et puis on a tous les dons. On a tous les dons. On fait appel aux jardiniers du village. Quand c'est l'époque des corps ou des citrouilles, des potimarrons, ben, ça arrive par brouette. Bon, ben, ça, c'est bon. Les courges aussi, les fruits aussi, il y a les coins, tout ça, ben, hop, fait de la confiture, et puis les gamins, ils sont contents. Alors, apparemment, avec les yaourts, c'est bon, ils aiment ça. Et d'un point de vue réglementaire, tu as le droit de mettre ces aliments dans la nourriture des enfants. Ouais. Pourquoi et comment ? Parce que y a rien de... Ça arrive direct, c'est nettoyé, lavé, épluché. Non, on n'a aucun contrôle. Sur tous les légumes, il n'y a pas de contrôle. C'est sur la viande, le pire. La viande, les yaourts, des trucs comme ça. Mais bon, puis on essaye d'avoir des repas pas trop chers. Parce que... En 2008, le prix du repas, la matière première était de 1 euro. Et à l'heure actuelle, elle est 2 euros. 2008-2022, vous voyez l'augmentation. Et le prix du repas, c'est 4,50 € et quelques, un truc comme ça. Pour la commune ou pour les parents ? Pour les parents. Et pour la commune, on est à 7 ou 8 euros au moins de prix de revient.
Il y a les charges sociales, il y a tout le reste. Hein. Il y a deux. Comme on a beaucoup d'enfants, maintenant on a été obligé de mettre 3 personnes le midi. Enfin, surtout avec les maternelles, parce que les maternelles, c'est quand même des petits. Hein. Il y a 25 maternelles, 25, 26 maternelles, je vous crois. C'est des tout petits, alors il faut quand même s'en occuper. On a forcé, on a remis 1 heure de personnel, enfin, de personnel en plus. Ça fait 3 personnes avant midi. Le fait, enfin, est-ce que tu remarques un lien en fait, entre ce qui touche cette école et les enfants de cette école et les parents par rapport aux producteurs locaux ? Est-ce que tu penses que ça contribue à un lien et qu'ils deviennent clients des producteurs locaux ou pas ? Je ne sais pas vraiment. Nous, les gamins, ils vont visiter les fermes. Nous, c'est qu'on prend les légumes. Enfin, il y a un travail avec pédagogique avec les institutrices. Mais bon, après, est-ce que les parents y vont ? Tout le monde se connaît, hein, parce que les uns et les autres ont eu des enfants qui ont été à l'école à Saint. Alors après, tous les parents se connaissent. Après, est-ce qu'il y a un lien ? Tout le monde achète chez tout le monde. Hein, moi, enfin... Parce qu'il y a les fromages de chèvre aussi, on a tout ça, les fromages de vache. Les fromages de chèvre, c'est sur la commune de Saint, les fromages de vache, c'est sur la commune de Moutier, parce qu'à Saint, il n'y a plus personne qui fait du lait, enfin, qui fait du fromage de vache. Mais oui, tout ça. C'est... Et les exploitants changent, mais ils nous fournissent toujours. Quoi. C'est ça qui est bien. Alors moi, j'aurais voulu que les agriculteurs fassent plus de légumes. Par exemple, comme on a beaucoup de gens en bio, j'aurais voulu qu'il y en ait qui fassent plus de légumes, des carottes, des épinards, enfin, des trucs. Mais bon, pour le moment. Il y en a 2 ou 3 qu'on fait un petit peu, mais ils font pas grosse quantité. C'est un peu dommage, mais bon, ça leur ouvrirait, ça mettrait le pied à l'étrier, puis ça leur apprendrait à faire autre chose que du blé puis de l'orge, quoi. Mais ça, hein, c'est plus dur. C'est un équipement. Si, il y en a un qui fait quand même des lentilles et puis de la farine, mais... Mais la collectivité a été... enfin, c'est ce que tu dis. Tu installes, tu aides à installer des agriculteurs. Mmh. Elle est vraiment partie prenante. Comment ça se manifeste, en fait ? C'est une facilitation ? C'est une mise en contact ? C'est se mettre en intermédiaire entre la SAFER et les chercheurs de terrain ? Bah, disons que j'ai tout le temps aidé, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aidé des gens à s'installer. Ça fait longtemps que tu es jeune, maintenant, en plus. Bah oui, ça fait longtemps. Hein. Alors, j'en ai installé pas mal, dont mon associé, parce que j'étais associé avec quelqu'un... Et je l'ai installé parce qu'il cherchait des terres et j'ai dit tu viens avec moi, puis on s'installe et puis on a travaillé 40 ans ensemble. Et puis après j'ai installé d'autres agriculteurs parce que ben il y a eu des problèmes familiaux et puis on appelle Jean parce que Jean ben, il répond tout le temps oui. Allez, et puis mon associé on était pareil, ben, attends on va aller t'aider. Et puis après ben il y a un gars qui veut s'installer, ben on essaye de l'aider. Alors comme tu dis, soit avec la SAFER, soit avec des organismes SAFER, c'est oui, ben, je ne veux pas dire le nom parce que Société d'aménagement foncier, établissement rural. Oui, c'est compliqué. Après, il y a aussi le bouche à oreille. Hein. Moi, il y a tout le temps des gens. En général, enfin, j'ai une réputation que quand les gens arrivent à Saint, ils vont voir le maire, parce que s'ils vont voir le maire, il va les débrouiller. Alors, des fois, je les installe sur Saint, des fois, ils s'en vont ailleurs, mais je leur donne la marche à suivre. Et en général, avec ma carte, avec mon nom, bah, ça ouvre des portes. Alors, pour ça que tous les gens qui arrivent dans la puisée, souvent, ils me les envoient avant de voir Jean, parce qu'il va peut-être trouver une solution. Alors, c'est comme ça que les gens, ils s'installent soit chez moi, ailleurs, mais ils passent souvent par la casse Saint. Alors, je vais dire un truc... Mais ça, c'est en tant que maire, hein, c'est pas... J'ai bien compris. Je vais dire un truc qui va peut-être être désagréable, mais hors toi, est-ce que ça pourrait continuer d'exister sur le même territoire ? Pas sûr. C'est pas sûr. Parce que tout le monde n'a pas la même mentalité. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui arrivent avec des idées farfelues, puis après, bah, t'essayes de comprendre pourquoi, et puis après, bah, t'essayes de les diriger dans le bon choix. Parce qu'on a quand même plein de structures au niveau de la puisée Forterre, au niveau de la communauté de communes, au niveau du pays avant, on avait plein de structures, plein de choses, plein de gens, de jeunes comme toi et d'autres, qui ont plein d'idées. Bon, ben, faut mettre tout ça en musique. Et puis, moi, j'aime bien mettre tout ça en musique. Alors, ça va, c'est ça qui est agréable. Puis après, il y a des satisfactions, puis il y a des déceptions. Mais après, on rebondit. Il faut toujours rebondir. Il ne faut pas non plus rester sur ce qui est pessimiste. Dans tes homologues maires des alentours, tu ne vois pas une volonté de ce type ? Il y en a qui voudraient, mais ce n'est pas évident parce qu'il faut après, il faut que derrière le conseil municipal, parce que moi je ne demande rien au conseil municipal, mais là il est quand même informé, il est au courant. On n'est pas en démocratie à ça, visiblement. Non, mais je ne demande rien financièrement, je parle. Il n'y a pas une position à prendre. Sauf quand tu loues 1 hectare de terre, tu es obligé de le dire au conseil municipal. Mais autrement, non, mais il n'y a pas d'argent. Quand il n'y a pas d'argent, il n'y a que de l'homme, de l'humain.
Alors, le conseil municipal, je l'informe qu'il y a ceci, il y a cela. Là, dernièrement, hier, pendant votre séance, j'étais donné un coup de téléphone, et puis j'ai quelqu'un qui s'installe dans ma commune, là, bientôt, sur autre chose. Mais parce que j'ai appelé le propriétaire, et puis j'ai fait un petit coup de violon. C'est tout. Je t'enverrai celui qui va pas bien. Non, mais c'est pas facile de trouver des maraîchers parce que c'est quand même un métier ingrat. Moi, je vous dis que c'est un métier ingrat. Hein. Je vois celui qui travaille chez moi, enfin, à côté de chez moi, parce qu'il avait passé de terre, je lui ai prêté un champ. Attention, il faut bosser. Hein. C'est ingrat. Hein. C'est ingrat. C'est pour ça qu'on dit tous le maraîchage, qu'à faire du maraîchage. Je lui ai dit, Ça fait écho à ce que disait Alix Bell pendant la première table ronde de la journée, où ça a été vraiment beaucoup évoqué, et que c'est un accompagnement qui aujourd'hui est nécessaire, que d'aider des futurs installés à sortir de certains idéaux et à les accompagner dans l'ergonomie de leur exploitation et aussi de l'ergonomie économique. Je pense que, c'est une idée, mais vous pouvez la faire partager. Un jeune qui veut s'installer maraîcher, il faut qu'il s'installe avec quelqu'un d'autre, avec un qui est connaisseur. Ah oui. Faut pas qu'il commence comme ça tout seul. Pour moi, c'est trop dur. Hein. Parce qu'il y a la clientèle, il y a tout ça, mais il y a aussi le boulot. Hein. Surtout avec les années qu'on a là. Hein. On va pas se plaindre, mais avec les années qu'on a là. Merci beaucoup, Jean, pour cet éclairage. Camille, je demande à qui maintenant ? C'est toi la chef de cette table ronde. Raconte-moi tout. Est-ce qu'on prend une grosse ou une petite cantine pour commencer ? On va commencer par une petite cantine, alors. Bingo, pour la petite cantine. Oui. Alors la petite cantine, j'ai pas dit non de tout le monde, mais on va le faire au fur et à mesure. Donc Romain Marion, c'est quoi cette petite cantine très particulière ? Moi je suis content d'être petit. Parce que comme ça a déjà été dit, c'est aussi la manière d'avoir une bonne... De faire un peu ce qu'on veut. Peut-être 550 habitants, c'est un petit village. Peut-être que les petites cantines qui permettent justement pas les grosses structures qui en fait ont besoin de trop d'infrastructures pour pouvoir supporter des politiques qu'on comprend plus en fait. Moi je suis cuisinier de métier, c'est-à-dire que j'ai un parcours dans la restauration gastronomique. Et j'allais monter un restaurant sur Besançon, parce que c'est plutôt mon bled. Et là, il y a des parents d'élèves qui m'ont appelé, qui étaient au CA, enfin au conseil d'administration d'une asso d'éducation populaire, dans un petit village en première couronne de Besançon. Donc c'est plutôt des gens qui prennent le temps de cuisiner avec leurs enfants, qui sont propriétaires de leur maison, qui ont encore à cœur l'héritage culturel familial de la cuisine et des courses à la Biocoop et tutti quanti. Voilà. Donc, qui s'intéressent vraiment à ce que les gamins mangent. Et ils m'ont dit, tu montes pas ton restaurant sur Besançon, s'il te plaît, tu fais à manger pour les enfants. C'est une forme de restaurant, en fait. Et je lui ai dit, la cantine... C'est pas hyper valorisant pour un chef, mais bon, d'un autre côté, pense aussi à la vie que tu pourrais avoir, les week-ends, les soirées. Tu bosses en journée continue, et puis là, c'est vrai que petit à petit, le charme a commencé à fonctionner. Et en plus, toi, t'as la langue bien pendue, et donc du coup, ça va vachement bien avec tes envies de révolution et tout le bazar, avec du bio, l'éducation, le lien avec les enfants... Et puis, en fait, tout ce qui concerne, tout ce qui fait ce sur quoi les grosses structures n'ont pas prise, les institutions, la beauté. Voilà. Ça paraît un peu comme ça, gnangnang, mais la vérité, c'est que c'est ce qui, en fait, c'est le fil rouge de cette tentative artistique. C'est clairement ça. Parce qu'on est un ovni, on a monté une coopérative, je vous en parle juste après. Mais en tout cas, la rencontre de tout ce qui n'est pas monnayable. J'avais cette discussion-là avec un collègue en cuisine hier, à savoir qu'est-ce qui fait la beauté. Parce que des fois, les trucs qu'on paye, c'est beau. Et je dis, oui, mais pense à l'amour. Est-ce que tu trouves que c'est quoi ? Peut-être que la beauté dans ta relation avec un amour tarifé, c'est quand la partenaire, elle tombe vraiment amoureuse de toi, et que là, vous partez ensemble, et tu la sors de son carcan, et tout ça. Voilà, là, c'est beau. Voilà.
Bref, excusez-moi, je reviens un petit peu en arrière. On en était à l'amour tarifé. Non, mais là, donc. Vous êtes en cuisine. Vous êtes en cuisine avec deux cuistots qui commencent à se connaître. Donc, on a monté une coopérative ouvrière. On a essayé d'agréger un maximum de paramètres d'éthique environnementale et sociale, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, autour de la restauration. Vous deux, les cuisiniers. Moi, tout seul avec les parents au début, déjà d'essayer de comprendre ce qu'ils appelaient la qualité, parce qu'il y en a, c'est du vegan. Après, il faudrait que ce soit des légumes avec la lune et les cornes à la bouse de vache et machin, tout ça. Au début, moi, je nageais en plein dans un comme univers fait, que je connais genre, pas. En fait. Non, mais je dénigre pas, hein, pardon. Mais après tout, pourquoi pas. J'ai monté une entreprise parce que c'était trop compliqué. On est allé voir la commune, en l'occurrence là où était le CA, donc c'est une commune d'à peu près 1000 habitants, qui nous ont dit nous on vous suit pas, ça coûte combien votre affaire? Là pour l'instant on paye nos repas à 3 €, jusqu'ici tout va bien, on va peut-être pouvoir aller les voir pour essayer de faire évoluer les choses, mais c'était une cuisine à 5000 repas jour, donc c'est... Voilà, on est allé les voir et ils nous ont dit non, on peut rien faire pour vous, c'est pas possible. Là, pour la parenthèse, ça vient de changer. J'ai un contact dans une grosse asso d'EducPop qui bosse beaucoup avec les cuisines centrales privées. Et le responsable commercial lui a dit on veut bien vous faire de l'Egalim, à savoir 20% bio. Il n'y a pas de local, à ma connaissance, dans l'Egalim, en dehors du pâte. Et, de l'alimentaire territorial. De la pâtée pour chat. C'est 1 € de plus. Donc comme les prix ont évolué, sont passés de 3 à 4 balles sur le conventionnel dans les grosses cuisines, en fait, nous, on est à 5 balles pour un repas tiers bio, tiers local en valeur, et puis avec des animations avec les mômes, surtout avec la cuisine artisanale, on serait concurrentiel. Donc si vous voulez, moi, ce qui me fait hurler, c'est qu'on fait vachement bien la cantine pour 500 gamins. On cuisine, on utilise un maximum de produits, on fait du sourcing tout le temps, à chaque fois qu'on peut, une veille pour avoir, on a 13 partenaires agriculteurs en circuit court, c'est-à-dire qu'on est directement, on leur achète directement eux, sans passer par une plateforme, même pas agri-local. Et tout ça pour vous dire que moi ça me fait hurler de savoir qu'en fait les gros indus vous disent on vous fait du légalim si vous voulez. Mais attention, c'est 5 €. Voilà. Donc en fait, on serait concurrentiel. Donc je trouve ça particulièrement terrible. Évidemment, des élus comme vous, il en faudrait plein. Sur les gros territoires comme dans notre Comcom, les enjeux sont peut-être pas les mêmes au niveau des quantités. Enfin voilà, au niveau des quantités, du budget, enfin des choses comme ça. Ça fait tout de suite un peu peur. Donc. Ce que j'essaye de faire pour pas monter au créneau, pour pas me prendre des sauts de boue, parce que les grosses entreprises de repas, elles ont aussi un pouvoir de nuisance qui est assez fort. Moi, pour la petite histoire, à chaque fois que je vais rencontrer des élus des communes rurales autour de Besançon, il y a toujours un monsieur Smith ou une madame Smith du gros ESAT qui fait à manger. ESAT, établissement qui embauche des handicapés pour... Non, EHPAD, non, c'est pas EHPAD, ESAT. Établissement social d'aide par le travail. Voilà. En gros, c'est des handicapés qui font à manger, et c'est très bien, il faut donner du boulot à un maximum de monde, surtout quand ils en sont privés, mais voilà, en tout cas, ils ont toujours, dans les communes, au conseil, de près ou de loin, il y a toujours un monsieur ou une madame Smith, je les appelle, voilà, qui ont partie liée avec... C'est pour vous dire un peu la dimension systémique, quoi. Donc là, c'est 500 couverts jour d'école sur 6 communes rurales autour de Besançon. Donc première couronne, donc ça concerne, on arrive toujours à convaincre les mêmes familles, celles qui sont en fait déjà convaincues. Donc pour nous, c'est en coopérative ouvrière. Donc là, ça change un petit peu le sens du partage de la valeur, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, vous partez, effectivement, il y a un risque que en fait, le conseil ne suive pas, puisque bon, j'imagine qu'il est quand même consulté et que du coup, vous vous entendez bien. C'est évident. Donc parce que c'est votre... C'est une vie de travail. Après, quand vous partirez, qu'est-ce qui va en devenir ? J'espère qu'une coopérative comme la nôtre, ça prendra aussi ce chemin-là, parce que les enjeux financiers sont pas du tout les mêmes que dans une entreprise commerciale classique, à savoir qu'en fait, il n'y a pas de patron chez nous, dans notre petite structure. Les 6 cuisiniers, on n'a pas de chef. Voilà. Donc, c'est à nous de nous démerder
pour que ça se pérennise. Et le jour où il y en a un d'entre nous qui s'en va, ben, il laisse l'outil dans l'état dans lequel il l'a trouvé. Je pense que sur le champ de l'économie sociale et solidaire ou des coopératives, les agriculteurs ont beaucoup à nous apprendre en termes de pratiques actuelles et aussi d'héritage. D'héritage historique. Enfin, voilà, je pense que la France aussi, elle est un laboratoire pour y avoir un tout petit peu mis le nez, qui nous permettrait de nous inspirer éventuellement pour imaginer autrement le système actuel qui fait qu'on se retrouve tout le temps débordé par les grandes structures qui font qu'à partir du moment où les personnes, les cuisiniers de bonne volonté s'en vont du poste où ils sont, eh ben en fait, la place est directement avalée par la bouffe en kit, parce que c'est tellement plus facile et tellement moins cher. Et puis, personne ne se pose de questions, quoi. Et puis, elle est aux normes. Ouais, bah alors, pour la petite histoire, dans votre marche en avant, dans votre cuisine, vous avez dû vous appuyer sur le guide des bonnes pratiques de l'ingénierie hôtelière. Du coup, eux-mêmes s'appuient sur un document qui est édité aux journaux officiels, et il est disponible gratuitement, vous pouvez aller vérifier. En avant-propos, il y a un remerciement appuyé aux agents de Dossi, Bigard, Lactalis pour leur coopération dans la rédaction du vadémécum du cahier des charges d'une cuisine qui devrait être la cuisine type. Voilà. Comment s'appelle ce document? Guide des bonnes pratiques d'hygiène, je ne sais plus. Enfin, voilà, ça, c'est la première jambe. Ça fait 5 ans, ça marche hyper bien. Maintenant, les collègues se dégagent un salaire de 2000 euros net par mois. J'insiste beaucoup pour ceux qui veulent, parmi les gens de nos âges ou plus ou moins, en reconversion, qui en ont marre d'être derrière un ordi ou qui veulent donner du sens à leur métier, que en fait, vous pouvez très bien bosser dans une super fraternité, chacun en respectant chacun les avis de chacun, en gagnant bien votre vie et en réalisant à votre petite échelle. Voilà, on est la preuve que c'est possible. Et la deuxième jambe, c'est qu'on va passer de coopérative ouvrière de production en société coopérative d'intérêt collectif, que tout le monde, enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui connaissent ces trucs-là. Et donc l'idée, c'est que ce n'est pas une entreprise qui appartient à ses salariés, c'est plus que ça, c'est une entreprise qui appartient à ses parties prenantes et qui utilise la société pour leurs intérêts à eux. Donc la société, en fait, notre cantine, elle va être une base avancée pour des élus, des producteurs, des assos de développement, et puis les cuisiniers, des assos d'éducation populaire, pour imaginer des projets de territoire. Donc la cantine, c'est un projet de territoire, et éventuellement un marché d'intérêt territorial qui permettrait de coordonner, en fait, entre les différentes restocos qui le voudraient, et ben, le blanc du poulet quand la première a acheté que les cuisses. Voilà. Une coordination, en fait, pour écouler plus facilement les productions de tout le monde en satisfaisant malgré tout à des besoins qui sont purement des besoins de cuisine avec des problématiques comme ça. C'est ça que tu es en train de raconter? L'idée, c'est d'apporter une réponse. À chaque fois qu'on vient poser un emmerdement, on dit ça, c'est pas possible parce que le foncier, ça, c'est pas possible parce que je vais vendre que la moitié de mon poulet, ça, c'est pas possible parce que la thune, ça, c'est pas possible parce que ceci, cela. Et ben, c'est l'outil qui dit, ok, alors il y a un obstacle, est-ce que le collectif, avec la force du réseau, et puis chacun dans son couloir peut agir pour, voilà, et qu'est-ce qu'on met en place en face, et il faut que ce projet-là, il soit rémunérateur pour le porteur, donc ce soit un projet créateur de valeur. Et ça, ce sera courant 2024, et éventuellement, on pourra venir vous accompagner à Joigny si vous pensez qu'il y a une correspondance entre notre modèle et celui que vous voulez voir émerger ici. Bon, ben voilà, le message est lancé. Merci beaucoup, Romain. Parfait. Merci. Je vous explique un petit peu où tu te situes au milieu de tout ça, toi. Eh ben, je dirais pas vraiment en plein milieu, mais essayer de faire le lien avec tout le monde. Donc moi, du coup, je travaille pour l'association Bio Bourgogne-Franche-Comté. Je suis en charge de la restauration collective. Et justement, bah, toutes les problématiques ou les situations qu'on a pu citer depuis tout à l'heure, c'est des choses auxquelles je suis confrontée au quotidien. Et donc, j'essaie de faire le lien entre tout ce beau monde. Et ce n'est pas forcément évident, mais on arrive à trouver des solutions. Merci, c'était un super exposé. Voilà, pour résumer. Donc, alors,
Qu'est-ce que tu constates? Il y a des choses qui sont mises en place, des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui ont été complètement foireuses ces dernières années. Oui, alors du coup, nous déjà, on a commencé à travailler sur le sujet depuis la création de l'association, depuis 40 ans. Et puis ensuite, à partir de 2018, donc il y avait l'émergence de la loi Egalim. Donc on faisait des actions, on va dire, un petit peu éparpillées, des fois un diagnostic pour essayer de comprendre comment fonctionnait un restaurant, parfois une mise en relation avec un producteur et un restaurant. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait aller étudier de plus près le sujet et d'essayer de mieux comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les tenants et les aboutissants, parce que c'est un domaine qui est super vaste. On va avoir des restaurants qui sont en gestion directe, d'autres qui vont être livrés par des sociétés de restauration collective. Et du coup, quelle carte a joué le réseau bio dans tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour, alors dans un premier temps, pourquoi pas atteindre cet objectif des 20% de produits bio locaux aussi, qui viennent des producteurs du territoire, mais comment on fait aussi pour aller plus loin, pour démocratiser et arrêter de se heurter à la barrière, oui mais le bio c'est cher. Enfin, la volonté c'était vraiment d'aller plus loin, et comment on fait pour accompagner que ce soit le producteur jusqu'au mangeur et du coup tous les intermédiaires qu'on va avoir entre. Donc on a lancé pendant 2 ans une étude. Donc la personne qui était là avant moi est allée voir tous les acteurs de la restauration collective du territoire et à demander, à essayer d'apprendre, à connaître justement comment est-ce qu'ils travaillaient, comment est-ce que nous, on pouvait les accompagner et les aider sur ce sujet. Du coup, je suis arrivée après avec cette mission de mettre en pratique toutes les actions qui étaient ressorties. Donc il y avait un premier axe déjà qui était de former et d'accompagner les producteurs à vendre, à se déboucher, parce que c'est pas comme aller forcément au marché ou vendre en circuit court, en direct à la ferme, et déjà de pouvoir les former, les sensibiliser que quand ils toquent à la porte d'un restaurant, ils puissent avoir, on va dire, les codes, les horaires de livraison, comment ça fonctionne au niveau de la facturation, ces fameuses normes d'hygiène dont on parlait. Et ensuite, on s'est aussi focalisé sur les restaurants. Comment est-ce que nous, avec notre étiquette plutôt d'assaut de producteurs, et ben est-ce qu'on rentre en contact avec eux? Et donc, on a créé un accompagnement individuel où, en fait, on va aller dans les restaurants, déjà apprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, donc faire un diagnostic. Et ensuite, on va leur proposer des actions et de la mise en relation avec des producteurs pour pouvoir les aider, justement, en adaptant leur menu, en leur proposant des recettes de cuisine avec des produits bio locaux, et voir quel levier est-ce qu'on peut actionner dans leur situation pour pouvoir les aider à atteindre les objectifs Egalim ou aller plus loin. Donc ça ne se passe pas aussi d'un outil commercial pour aller derrière. Et donc, depuis 2019, il existe la plateforme Manger Bio Bourgogne-Franche-Comté. Donc, c'est une plateforme qui émane du réseau bio et qui est maintenant une structure indépendante, qui est une SIC, donc une société coopérative d'intérêt collectif. Voilà. Et donc, en fait, qui va vraiment gérer toute cette partie commercialisation et essayer d'aller, en fait, sur cette problématique d'aujourd'hui. Des restaurants vont nous dire, oui, mais vous me demandez du coup de remplir. Moi, quand je commande des produits, je peux commander à un fournisseur 1000 références différentes dans l'année. Du coup, ok, je veux bien passer par des producteurs locaux, mais ça veut dire qu'il faudrait que je décroche 15 fois plus mon téléphone. Et donc, forcément, ça pose problème. Parce que ça peut rajouter du temps de travail, de l'administratif aussi derrière, parce qu'il n'y a pas juste le temps du cuisinier, mais ça peut être celui du magasinier, de la gestionnaire, de la comptable. Donc ça fait partie de genre de problématiques. Et donc cette plateforme, en fait, elle a un site logistique basé à Dijon, où les producteurs apporteurs qui sont membres de la société déposent leurs produits, et ensuite les restaurants les appellent. Et donc font en fait à partir de la plateforme une seule commande, mais peuvent être livrés sur une palette par un transporteur traditionnel avec par exemple une dizaine de références différentes qui proviennent de producteurs bio de la région. Alors c'est une plateforme logistique ou on parle d'une plateforme internet? C'est logistique. Donc il y a une livraison systématique des marchandises et après seulement les clients commandent dessus? Et ben en fait, c'est comme un fournisseur traditionnel où ils vont passer un coup de téléphone ou envoyer un mail pour passer leur commande.
Et qu'est-ce que vous faites de ce qui n'est pas vendu par des clients ? Parce que là, vous risquez d'avoir beaucoup d'invendus, c'est un gros risque. Alors en fait, la plateforme, elle travaille en flux tendu. Elle, son travail, après, ça va être d'appeler les producteurs en disant, eh ben, écoute, pour dans 2 semaines, donc même si c'est la viande, pour dans 1 mois, on projette qu'il y aura tant. Et en fait, ils s'appuient vraiment sur des commandes des clients ou alors par rapport à des habitudes des clients. Donc il y a pas de, ça peut arriver des fois sur de l'épicerie qu'ils achètent du coup en grosse quantité et que et mais du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont faire des réductions à travers une mercuriale. Dites ce que c'est qu'une mercuriale pour ceux qui ne savent pas. Ah oui, pardon. Donc du coup ça va être par exemple ils font des mercuriales sur les légumes, ça va être une lettre d'information qui va être envoyée toutes les 2 semaines pour informer des produits qui sont disponibles et de leur prix au kilo. Oui, Mercure, dieu du commerce, tout à fait. Mince, je voulais dire un truc et j'ai oublié. Merci pour Mercure. Je vous laisse continuer, pardon. D'autres choses à rajouter parce que là, ma question, ça y est, j'ai retrouvé. Tout ça est centralisé à Dijon. Oui. Donc c'est à l'échelle de la région Bourgogne-Franche-Comté. Oui. Est-ce qu'on peut encore parler de local ? Eh bien, c'est une très bonne question. Ça dépend de la définition en fait, qu'on va se donner du local aussi par rapport à ça. C'est propre à chacun. Après, ça reste toujours mieux que des produits qu'on va acheter qui sont hors de la région. Et d'ailleurs, pour être totalement transparente, pas tous les produits qui sont vendus par la plateforme proviennent de producteurs bio locaux de la région. Il y a aussi toute une gamme qui représente à peu près 30% de ce qui est vendu sur des produits d'épicerie avec du riz, de la semoule. Ça va être aussi, par exemple, des conserves pour de la sauce tomate. Parce que ça permet d'avoir un complément de gamme et d'avoir une gamme complète à proposer auprès des restaurants. Et c'était une condition importante pour assurer le lancement de la plateforme. Le coût logistique est important, de fait. Oui. Puisque vous avez des produits qui doivent venir jusqu'à la plateforme et qui sont redistribués après. Est-ce qu'on pourrait imaginer quelque chose qui soit rentable et pratique et fonctionnel à des échelles plus courtes, comme celle d'un département, par exemple ? Eh bien, je pense que c'est ça a étudié. À la base, cette plateforme, elle émanait plutôt de la ville de Lons-le-Saunier, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, d'Avallon. Et il y a eu aussi, dans le même temps, une plateforme à Auxerre. Fondateur du Cédarbre. Oui. Le Cédarbre, qu'est-ce que c'est ? D'accord. D'études. Je ne sais même pas, c'est bon. De développement agricole. Et rural. On a eu, voilà, grosso modo, on sait maintenant. Oui, et en fait, il y a eu 2 créations au même moment. Je me trompe. Ah bah oui, c'était Lyon, c'était la Bourgogne et la Franche-Comté, évidemment. Ça, voilà, ça communiquait pas. À l'époque, c'était 2 régions différentes. On avait, donc chaque région avait son propre outil. Et donc oui, pour l'historique, donc on va dire que le projet qui était similaire à celui en Bourgogne a plutôt, du coup, s'est développé à partir du Jura. Et ensuite, donc il y a eu tout l'aspect, la réflexion de comment est-ce que cette plateforme allait être montée. Et ensuite, la Bourgogne, pour se racheter, a financé la première salariée qui a lancé la plateforme et qui après est devenue autonome. Et aujourd'hui, les 2 structures Interbio Franche-Comté et Bio Bourgogne ont fusionné en plus, donc il y a même plus de sujet. Donc je retourne à ma question, oui. Ça vaut le coup de faire plus petit ou pas ? Ou est-ce que ça a de l'avenir ou pas ? Eh ben, en tout cas, au niveau de la logistique, ça a paru plus simple. Et même en termes de quantité de produits de pouvoir faire à l'échelle régionale, je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. Mais en tout cas, quand ils ont voulu le faire à l'échelle départementale, ils ont souhaité après raisonner à l'échelle régionale. Ça paraissait plus pertinent et rentable. Je vais poser une question extrêmement blessante. Le bilan carbone n'est pas bon par rapport à une distribution plus locale ou pas ? C'est une bonne question. Il n'y a pas eu d'études sur le bilan carbone sur le sujet, ou en tout cas pas à ma connaissance pour la plateforme. Mais pareil encore, ça se veut pas être forcément un modèle parfait, mais en tout cas un modèle qui permet d'aller déjà plus loin, de pouvoir proposer une belle gamme de produits avec principalement des produits bio locaux et de faire fonctionner plein de producteurs. Mais c'est une bonne question. Je pense que c'est un sujet à étudier. Et après, il faut aussi garder en tête qu'il y a des livraisons qui continuent à se faire en direct. Il y a des producteurs qui n'ont jamais apporté sur la plateforme.
Il y a de, ça, c'est aussi un outil de mise en relation. Et d'ailleurs, une des réussites, c'est que le producteur qui a pu être en contact avec un restaurant a parfois aussi arrêté, tout simplement de passer via la plateforme. Parce que du coup, il y a un échange, un contact humain qui s'est créé avec l'établissement. L'établissement ne commandait pas forcément d'autres produits, d'autres producteurs en même temps. Et du coup, ils avaient plus intérêt à commercialiser ensemble. Merci. Je vais juste donner le micro à Élise. Parce que, oui. Est-ce que tu avais connaissance de cette plateforme ? Est-ce que tu l'utilises ? Est-ce que tu souhaiterais utiliser ? Est-ce que tu penses que c'est pertinent par rapport à tes besoins en tant qu'agricultrice locale ? Je ne connaissais pas et pas du tout. Enfin, pour moi, c'est pas... C'est trop gros, c'est trop loin. Nous, c'est des produits frais, donc faudrait livrer toutes les semaines. Et pour moi, c'est pas dans mes valeurs, dans mes convictions. Je préfère mille fois aller livrer trois poulets à la cantine de Saint à côté que de... Non, non, vous êtes... Même Saint, c'est trop loin. Mais c'est trop loin. Non, mais pour de vrai, voilà. Vraiment, Saint, ça doit être à, je sais pas, 30 km, 40. C'est trop loin. Non, mais vraiment. Et là, c'est... Non. Enfin, Et puis effectivement, je trouve que d'envoyer des produits à Dijon pour qu'après ils reviennent, ça se trouve à Auxerre, enfin ou à Valon. Enfin voilà, non je. Bon, en tout cas, en tant qu'outil de mise en relation, ça aurait pu être intéressant pour le coup. Oui, je pense, mais moi je suis pas forcément fan de ce genre d'outil parce qu'en fait, en tant qu'agricultrice, déjà j'ai l'impression qu'on est souvent pris pour des demeurées régulièrement. Que tout est dirigé pour nous, qu'on n'est pas capable de faire tout seul. Et toutes ces plateformes, toutes ces nouvelles, tous ces trucs qui émergent, il y a des choses très bien, mais il y a aussi souvent ce côté où on a encore l'impression, une fois de plus, qu'on a besoin de plateformes, de choses comme ça, pour que l'agriculteur s'en sorte. Mais je veux dire, les poulets, ça fait 10 ans, je ne sais pas combien de temps qu'on arrive à les vendre. Et ça fonctionne, quoi. Enfin, faisons un peu confiance aussi à l'humain et à la proximité, plutôt que d'essayer de créer toujours des choses plus innovantes qui sont en plus des complications au niveau des papiers, parce que AgriLocal, c'est pareil, ils veulent faire nos factures. Sauf que le problème, c'est que nous, on vend au poids, et du coup, ils connaissent pas le poids du poulet qu'on va vendre, donc ils peuvent pas faire notre facture. Enfin bon, bref, c'est que des trucs. Donc des fois, je suis payée deux fois par le collège parce que le collège reçoit une facture d'AgriLocal et ma facture. Et du coup, ils payent deux fois. Enfin bref, c'est... Voilà, je sais faire une facture à peu près et... Voilà. C'est intéressant parce que ça fait écho aux nombreuses plaintes du monde agricole récente qui est... La façon de dire on a trop de normes sur nous, on nous encadre trop, quelque part, c'est se plaindre d'une forme d'infantilisation du monde agricole, où on oblige le monde agricole à faire plein de choses d'une façon dont il perd de la maîtrise. Et c'est peut-être ça ce que tu racontes. Oui, parce qu'en fait, déjà en céréales, en grande culture, c'est le cas. Il faut savoir que les agriculteurs n'ont pas le droit de faire de factures quand même. Donc c'est-à-dire que toute notre production, c'est la coopérative qui nous l'achète. Qui décide le prix auquel elle nous l'achète hein, quand même. Donc le fuel, il a augmenté pour tout le monde. Par contre, le prix du blé a diminué. Mais ça, nous, on est juste des pions au milieu. Hein. On sème et puis on récolte. Donc quand on décide de faire de la vente directe, c'est pas pour que quelqu'un vienne décider pour nous à notre place. Hein. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une vraie démarche et que c'est justement pour lutter un peu contre ça et contre le fait qu'en grande culture, on peut pas faire autrement. Parce que quand j'ai des tonnes et des tonnes de blé, je vais pas aller les vendre par 10 kilos. Et du coup, c'est pas pour qu'en plus on pose des plateformes et des gens qui me fassent mes factures et tout ça. Non. D'accord, merci. Je vais quand même en donner la parole à Valentine. Est-ce qu'il y a un profil type de l'agriculteur qui se trouve sur cette plateforme ? Pas spécialement. Il y a tout type. Enfin, il y a des petites structures. Bon, je n'ai pas de nombre d'hectares à donner comme ça précisément, mais aussi des très grandes structures. Ça dépend, c'est assez mixte. Peut-être juste pour réagir aussi, on parlait beaucoup de marché public tout à l'heure, de choses comme ça. Et là où la plateforme elle a son rôle à jouer, qui est important, c'est notamment dans la réponse sur des gros volumes, sur des grosses commandes. Et on disait tout à l'heure justement que ça pouvait manquer de structuration. Donc moi, je suis tout à fait d'accord que dans certains cas, il y a le direct, il y a l'humain, et c'est complètement normal. Et,
Et voilà, mais sur du coup des aspects plutôt de commande publique, du coup Manger Bio va répondre au marché. Et du coup, nous, avec l'association Bio Bourgogne-Franche-Comté, on va plutôt travailler sur la structuration de filière et organiser les producteurs entre eux pour qu'ils puissent, avec la plateforme, répondre à ces marchés publics qui sont des usines à gaz. Je ne connais encore aucun producteur qui, de lui-même, va répondre à un marché public tout seul. J'en suis moi-même complètement incapable, alors que j'ai été formée sur le sujet. Et en fait, par exemple, pour Dijon Métropole, donc ils ont une cuisine centrale de 5000 repas jour. Et ils ont décidé de construire une légume centrale. Alors, expliquez ce que c'est qu'une légumerie. Donc, ça va être un atelier, on va dire, de transformation et de découpe de légumes pour les passer en quatrième gamme. Et donc, du coup, d'avoir, par exemple, des carottes déjà épluchées, coupées en rondelles, râpées. Et donc, eux, l'enjeu derrière tout ça, c'est qu'ils voulaient que cette légumerie soit approvisionnée avec des légumes bio locaux. Et ils ont lancé un appel d'offres, donc avec un volume qui était extrêmement important, où ils ont dit pour chaque légume, voilà, on veut tant de tonnes à l'année et on veut la réponse dans 2 mois. Donc, personne ne peut forcément répondre tout seul à cette demande. Enfin, après, en local, en tout cas, chez les producteurs bio du secteur, c'était très compliqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la plateforme, elle a dit d'accord, et bon, on va répondre au marché. Et du coup, nous, on est arrivé avec donc, une conseillère technique en maraîchage et une collègue sur la structuration de filière et qui a dit c'est parti, top départ, on a 2 mois. Donc, en fait, ils ont réussi en regroupant 8 maraîchers. Donc, ils avaient donc, les volumes de la cuisine, et donc ils se sont répartis entre eux qui fournissait tel légume, parce qu'évidemment il y avait aussi des attentes sur les calibres, et donc du coup qui fournissait tel légume, à quel prix, et ils ont fixé donc des prix collectifs. Et ils ont pu répondre à ce marché, et là ça va faire bientôt un an que la légumerie, et donc la cuisine centrale de Dijon, est approvisionnée avec les légumes bio des maraîchers du coin. Merci. Voilà. Wow. Et ça a fonctionné. Le marché va être relancé dans 2 mois. Donc on espère que ça continue comme ça, parce que ça dure un an. Et on espère pouvoir continuer à contractualiser comme ça sur le long terme. Merci. Oui. Merci. Eh ben, on va passer la parole à Christine Combes, qui, je pense, va pouvoir avoir d'autres points à aborder sur ce sujet. Vous êtes prête, Christine ? Ouais, je suis prête, il faut que je fasse vite, je ne sais pas combien de temps. 10 minutes, je vous montrerai le chrono pour vous rassurer. Bon, alors moi, je vais attaquer les choses par une autre entrée, par l'entrée eau potable. Donc, je travaille à une régie eau potable à Lons-le-Saunier dans le Jura, et je travaille en coopération avec la cuisine centrale pour développer les produits bio. Donc, normalement, c'est le directeur de la cuisine centrale qui devait venir, il ne pouvait pas venir. Moi, il se trouvait que j'allais à Sens ce week-end. Ben, je lui ai dit, écoute, il n'y a pas de problème. Je serai là, et puis j'aime beaucoup vos assemblées générales, j'apprends plein de choses. Je regrette de ne pas avoir vu Marc Dufumier, mais bon, voilà. Alors, Lons-le-Saunier, ça date des années 90, donc il y a à peu près déjà 30 ans qu'on est sur la protection de l'eau potable. Et au départ, c'est venu de deux élus convaincus, et ça, ça a été très important pendant 30 ans, et c'est le problème, ces deux élus sont partis. Retraite, voilà. Et ceux qui arrivent n'ont pas tout cet historique et n'ont pas la même motivation. Donc, c'est un point faible. Alors, au départ, l'eau était polluée par du lisier. Donc, c'était ou fermeture de la station d'eau potable ou travail avec les agriculteurs pour travailler autrement. Un des élus était un historique technicien de l'agriculture bio. Le maire, là, comment ça s'appelait à l'époque, je ne sais plus. Là. Voilà. Oui, le maire, voilà. Et donc lui, il a de suite su comprendre d'où venait le lisier, ce que ça voulait dire, ce que voulait dire une analyse de nitrate. Il y a eu aussi des problèmes avec les pesticides à l'époque, c'était le désherbant du maïs, la trazine. Il a su lire les analyses d'eau et se dire, on a le choix entre ou travailler avec les agriculteurs à l'amont en prévention,
ou alors on fait une usine pour la vélo. Voilà. Donc le choix qui a été fait à l'époque en 90, ça a été de dire on va vers les agriculteurs et on travaille avec eux. Voilà. Donc ils ont nettoyé toutes les conduites d'eau pour enlever le lisier. Et un contrat a été avec les agriculteurs de dire ce qui nous pollue, c'est votre maïs. Donc le maïs, on ne veut plus en voir dans la zone de captage. Et on vous indemnise pour ne plus faire de maïs. Donc là, il y a eu deux choses importantes qui ont été faites. C'est que, un, en interdisant de faire du maïs, ça se voit. C'est visuel. Pas besoin de contrôleurs. Voilà. Et tous les autres agriculteurs, s'il y en avait un qui osait le faire, ça voulait dire qu'il ne jouait pas le jeu et ça se voyait. Et ça, c'était très intelligent. Et maintenant, moi, dans le travail que je fais encore, puisque bientôt je vais être à la retraite, j'essaye toujours dans les consignes qu'on donne aux agriculteurs que ce soit visuel, facile à contrôler. Je dois pouvoir passer en voiture, voir une prairie, ou ne pas voir de traces de tracteur dans le champ. Ce qui veut dire que s'il n'y a pas de trace de tracteur, il est rentré pour semer, il va revenir pour récolter. Il n'a rien fait entre-temps. Voilà, le plus pratique possible pour éviter de perdre du temps dans ces contrôles. Alors ça, lui, il a eu cette idée-là, cet élu, pas de maïs. Donc en supprimant le maïs, il a supprimé les apports de lisier, il a supprimé l'atrazine, le désherbant, voilà. Et en plus, il a créé cette idée de soutenir les agriculteurs financièrement. Avec le problème, c'est que les agriculteurs, quand vous commencez à leur donner ça, c'est le majeur. Vous ne pouvez plus lâcher. Voilà. Donc, voilà. Et donc, ça a continué, mais ça a permis un dialogue. On a un agriculteur à la retraite qui dit pas l'inverse. Voilà. Et on a compris qu'il fallait aider, qu'il fallait soutenir. Voilà. Alors, pendant 10 ans, ça a bien marché. Un jour, il y a des agriculteurs qui ont dit, c'était dans les années 2000, qui ont dit, oh, bah, tiens, nous, on a marre de faire du lait, on voudrait un peu changer, on est allé au bout de la génétique sur nos vaches. C'est des agriculteurs un peu entreprenants qui se sont dit, bah, tiens, on va faire du bio. Voilà. C'était les années 2000, ils se sont mis à faire du bio. Et la première question que se pose un agriculteur qui fait du bio, c'est à qui je vais vendre ? Parce que les coopératives agricoles ne cherchent pas du bio. Ça, bon, peut-être, il y a eu un moment un peu, mais maintenant, ça se referme. Donc, ces agriculteurs-là qui se faisaient du bio, bah, il fallait qu'ils se débrouillent pour faire leur marché. Et en même temps, à la cuisine centrale, le directeur faisait le constat, j'en ai marre, les gens jettent le pain, il est trop dur, ça ne va pas. Et l'élu charnière a entendu les agriculteurs qui ne savaient pas quoi faire de leur blé et le directeur de la cuisine centrale qui s'est dit, il y a du pain qui est jeté. Donc, il a dit, OK, on va faire un circuit court. Voilà, ça a démarré comme ça, les années 2000. Les agriculteurs, un meunier, on avait la chance d'avoir un moulin. C'est là l'importance d'avoir des outils locaux. Donc un moulin local, prêt à faire la farine, un appel pour avoir des boulangers et la cuisine centrale qui a acheté le pain. La première question que le directeur de la cuisine centrale a posée, vous, les producteurs, il vous faut vendre votre blé combien ? Pour que ce soit rentable. Ils ont dû 42 centimes le kilo. Et on était en l'an 2000. Et le prix n'a pas bougé. Et c'est toujours eux qui fixent leur prix ? Oui. C'est assez incroyable, ça. Voilà. Et après, ils ont dit au meunier, toi, bah, tu prends ta marge, et le boulanger, tu prends ta marge, et nous, collectivité, on paye. Donc, ça a voilà. été très largement évoqué hier, notamment par Marc Dufumier, que vous mentionnez, ouais. que c'était un préalable indispensable à l'évolution de l'agriculture. Ouais. Et ça a tenu. Bon, alors, il y a eu un surcoût de quoi ? De 20 000 euros pour la première année. Et puis après, les cours du blé ont aussi augmenté. Donc, finalement, le prix, c'est... Il y a eu beaucoup moins de gaspillage. Et au bout de 8-10 ans, maintenant, il y a plus de problème. Pourquoi moins de gaspillage ? Parce que le pain n'était plus jeté. Voilà. Vous êtes le deuxième en 2 jours à nous le dire. Voilà. Voilà. Le pain n'était plus jeté et le pain était bien mangé. Quoi. Voilà. Et alors ça aussi, dans un autre collège qui a essayé de faire ça, de réduire le déchet alimentaire dans un collège, le cuisinier a eu cette idée de prendre un tube en plastique de le poser devant les collégiens en leur disant
tous vos déchets de midi, vous les mettez dans ce tube en plastique. Et le jour où les déchets ils arriveront là, tout en bas, je vous ferai un kebab collège. En 8 jours, il n'y avait plus de déchets. Ça, c'est une bonne idée. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas grand-chose, il faut de l'énergie, voilà, il faut de l'amour, il faut de l'énergie positive, il faut de la joie, et c'est ça le plus difficile, quoi. Il faut quelqu'un convaincu. Alors, l'expérience du pain, ça a amené le directeur de la cuisine centrale, bah, il serait là, c'est quelqu'un quand même d'assez particulier, hein, dans quel qui sens a de la tchâche, qui a de la conviction, et voilà, qui connaît bien son métier, parce qu'il fait quand même 7000 repas par jour. Et alors, c'est 7000 quand c'est maximum, et puis 3000 quand c'est l'été, quand il n'y a pas les collèges, quoi. Qui est passionné par le bio, qui est passionné par les producteurs, et qui fait tout pour prendre des produits bio locaux, quoi. Donc un agriculteur qui fait des courges, un agriculteur qui fait de la salade, qui fait n'importe quoi, il lui dit, tu m'amènes, et puis je vais voir ce que je peux en faire. Voilà. Donc là, ça avait marché avec le pain. Et il s'est dit, mais pourquoi je ne ferais pas ça avec autre chose, quoi. Le fromage, qui est pourtant produit dans la région Franche-Comté, le comté, il venait de Rungis, quoi. Et la viande, il dit, je ne sais pas d'où elle vient, les légumes, pareil. Donc il s'est dit, c'est pas normal. Et ça marche avec le pain, il faut que ça marche avec autre chose. Donc du coup, il a passé un appel dans la presse. Ce n'est pas un appel d'offres qu'il a passé. Il a demandé à rencontrer les journaux et il a écrit dans les journaux en disant j'en ai marre, je fais de la cuisine et je ne trouve pas de produits producteurs locaux. Voilà. Par hasard, comme quoi il n'y a pas de hasard dans la vie, mais il n'y a que des rendez-vous. Paul Éluard, voilà, c'est ça. C'est lui ou sa sœur, mais. Ouais, voilà. Et donc un agriculteur bio. Ce jour-là, exceptionnellement, achète le journal. C'est lui qui lit. Voilà. Et il voit qu'on demande de la viande bio locale. Et le lundi, il est devant Didier Thévenet et a commencé une aventure extraordinaire. Ce producteur a fédéré 60 éleveurs. Pour organiser un approvisionnement à la cuisine centrale. Donc, débat sur le marché public, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment être très strict avec le marché public. Ils ont trouvé l'astuce au bout de 2 échecs de ce marché public, en disant, le directeur a dit, de la cuisine centrale, je vais acheter les bêtes vivantes. Je demande, dans le cahier des pirates. Dans le cahier des charges, il a dit, j'achète les bêtes vivantes, j'achète les bêtes sur pied. Et donc là, aucun maquignon pouvait répondre. Et ça n'allait pas. Donc du coup, les agriculteurs bio ont répondu. C'est eux qui ont eu le marché. C'est la cuisine centrale qui paye l'abattoir, qui paye la découpe, et elle récupère tout. Voilà. Du coup, elle paye moins cher l'éleveur, parce qu'elle a quand même 1 € sur l'abattoir, c'est elle qui paye la découpe, etc. Donc, elle paye un peu moins cher la viande. Mais le cuisinier, il s'est engagé à tout cuisiner, quoi, de la queue à la tête. Alors, tant qu'ils n'étaient pas très nombreux, ça allait. À partir du moment où ils sont devenus un peu plus nombreux qu'il y a eu les 60 éleveurs qu'il a fallu fédérer, ils ont trouvé un autre débouché avec des hyper-U. La cuisine centrale, elle garde que les avants et c'est Hyper-U qui garde les arrières. Après, ils ont développé avec d'autres collèges. Il y a la partie avant de l'animal. De l'animal, voilà, qui se fait plutôt bouillir. Voilà, c'est des pot-au-feu, c'est des bourguignons. Et puis les parties arrière, c'est les beefsteaks, c'est les rôtis, etc. Donc ça part dans un Hyper-U qui prennent toute la cuisse arrière de la bête. Et du coup, ça dégage la cuisine centrale qui peut absorber quand même un peu plus de bêtes. Elle en absorbe quoi, 250 par an à peu près. Après, du coup, il y a des collèges qui se sont mis dans la boucle. Ils se répartissent la bête. Donc, il y a un collège qui prend une moitié de bête et l'autre collège prend l'autre moitié de bête. Voilà. Et après, les producteurs, ils disent ça marchait pour la viande, ça pourrait marcher pour autre chose. Donc, ça arrive aux légumes. Et là, il a fallu fédérer des maraîchers, donc pareil, 8-10 maraîchers, construire une légumerie,
parce que ben, les légumes, c'est 100 tonnes de légumes à peu près par an, et la légumerie a été avec une capacité de 200 tonnes, et aujourd'hui, elle doit être entre 150 et 200 tonnes de produits bio locaux. Et elle ne sert qu'à la cuisine centrale, cette légumerie, ou pas? Ouais, pratiquement. Un petit peu sur Dijon, mais pratiquement que la cuisine centrale de Lens. Voilà. Toutes les pommes de terre, toutes les carottes. Donc un service de carottes, par exemple, c'est une tonne. Donc derrière, il faut pouvoir éplucher dès 5 heures du matin. Voilà. Et le plus difficile, ça a été de fédérer les maraîchers. Il m'a fallu 3 ans de travail avec eux pour les mettre d'accord sur une organisation. Et là, pareil, le contrat, il est sur 3 ans. Pour donner même de la visibilité aux maraîchers dans les rotations. Et les prix sont fixés, il ne faut pas le dire. Voilà. Ben, entre les maraîchers et la cuisine centrale, ils ont une grille. Ils ont une grille de prix suivant que c'est des légumes d'été ou que c'est des légumes légumes d'hiver. Et puis c'est vrai que les pommes de terre, quand on arrive au mois de février-mars, c'est plus dur de les tenir. Dans la réflexion de la légumerie, de savoir si la légumerie, elle allait jusqu'à faire un stock amont, par exemple des pommes de terre. Mais là, c'était prendre un risque énorme parce qu'il y a de la perte. Et le mieux, c'était que ce soit les maraîchers qui fassent leur propre stockage. Voilà. Donc là, il y a une grille. Ceux qui prennent le risque d'avoir des pommes de terre jusqu'au mois de mars, c'est le risque qu'elles soient un peu... Voilà. Donc après, là, c'est passé avec les légumes, puis après les fromages, et puis les yaourts, et puis les œufs, et les poulets. Les poulets, c'est assez difficile, mais la règle sur le poulet, c'est pareil, c'est il achète un poulet entier. Jamais des cuisses, jamais qu'une partie. Il cuisine tout dans le poulet, quoi. Et puis après, il a fallu fédérer tous ces producteurs, légumes, voilà. Donc, c'est arrivé à une association qui s'appelait Entente Bio. Voilà. Le mot important qu'ils ont mis, c'est Entente. Ça a été très difficile entre eux de se répartir les volumes de production. Qui allait faire les pommes de terre? Qui allait faire les carottes? Ça, c'est compliqué. C'est là où on retrouve l'humain, quoi. Et c'est au point, là? Alors, il y en a qui sont partis, les petits sont partis parce qu'ils avaient du mal à suivre dans les volumes, quoi. Une cuisine centrale à 7000 repas par jour, ça demande et de la qualité et du volume. Une dernière question, parce qu'on a vraiment largement dépassé le temps. Ah ouais. C'est pas grave, c'est un plaisir. le coût pour la collectivité, alors, est-il supérieur ou non? Et le gain pour la collectivité, de quelle nature est-il? Je ne sais pas si là vous l'avez vu, mais vous avez les prix, donc les prix ils restent corrects, sauf que là effectivement avec le coût d'augmentation de l'électricité, ils ont dû augmenter le prix des cantines et ça c'est pas top. Voilà, donc il y a eu plus de personnes qui sont venues manger à la cantine, et puis comme il y a un self, il y a eu une augmentation du nombre de repas sur le self. Et ça donne une image positive pour le territoire. Alors, si je reviens à l'eau potable, donc c'est pas qu'avec la cuisine centrale qu'on va pouvoir sauver les captages d'eau potable. Il faut quand même arriver à développer des surfaces en bio. Donc, on travaille sur d'autres filières. On travaille sur le développement des filières, notamment chanvre, tournesol, épeautre, voilà. Et là, il faut à nouveau construire des filières. On bagarre contre le local. Enfin, c'est un mot que je ne supporte pas. Parce que le local, la plupart des gens confondent bio et local. C'est devenu gravissime. Alors que le local, ça pollue. Quoi. Ça pollue l'eau d'ici. Parce que dans ça le local, peut, en tout cas. Voilà. Ça peut, oui. Voilà. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on fait beaucoup d'analyses sur l'eau, mais on ne fait aucune analyse sur les vins. Ni sur l'alimentation que vous mangez. Et dans l'alimentation qu'on mange, on fait beaucoup de publicité, pas de sucre, pas de gras, etc. Mais on ne va pas regarder tous les produits pesticides qu'on peut avoir dans les produits. Et ça, c'est... Voilà. On regarde dans l'eau, mais on ne regarde pas ailleurs. C'est un peu dommage, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Pardon. La question, Romain. Comme le local, ça fait débat parce qu'il n'y a pas de cahier des charges pour le local. Nous, notre cantine, elle est certifiée par un organisme EcoCert qui doit être bien connu des producteurs, qui ont développé un label de cantine, enfin avec un cahier des charges de 40 critères. Et le local, pour eux, c'est grande région, ou enfin c'est ancienne région et département limitrophe. C'est une vision des choses. Les filles avec qui je parle à la chambre d'agriculture du Doubs,
elles ont fait le même constat, c'est que si vous voulez avoir un catalogue suffisamment complet de produits et de pouvoir favoriser quand même l'acheteur par un phénomène de nudge, parce que c'est comme Pomona en fait, tu le dis pas, mais c'est Pomona qui va se caler sur les appels de marché pour 5000 couverts jour, et les petits, c'est pas possible. Pomona, c'est un grand groupe, soi-disant français, pas coté. J'ai rien contre les gros, mais en fait, c'est ceux qui sont en train, à mon sens, de tuer l'idée de métier dans l'agriculture. Voilà, c'est eux, ils n'ont pas besoin d'agriculteurs, en fait. Moi, bêtement, je pensais qu'un cuisinier ne peut rien sans son agriculteur. En fait, si, carrément, on n'a pas besoin d'agriculteurs. Il suffit d'ingénieurs qui plantent au large par des ouvriers non qualifiés, si possible venus des pays de l'Est, comme ça, ça ne coûte pas cher. Et en fait, il n'y a plus d'agriculteurs. Ah, on a mieux ici. On a une, je ne vais pas citer le nom, mais on a une production de salade à proximité d'ici qui est entièrement robotisée et qui est très grande. Et ça fait des années que c'est le cas. Voilà, écoute, je ne me suis même pas posé la question. Mais du coup, moi, ma question, si vous voulez bien, c'était, vous dites que le local, c'est terrible parce que des fois, ça a un impact fort sur le milieu environnemental. Donc bon... C'est pas une raison non plus pour les amener à l'endroit où nous on n'est pas, mais bon, ça c'est peut-être une autre histoire. Et les producteurs qui se sont fédérés entre eux pour fournir la cantine de Lons, ils vont jusqu'où ? Quelle est leur dispersion géographique en gros, quoi ? C'est le Jura. Okay. C'est départemental. Voilà. Alors après, il y a eu un PAT, plan alimentaire territorial, qu'on a fléché bio, voilà, pour éviter qu'il y ait du local et que ce soit clair. Que ce soit du bio local. De ce PAT a découlé une SIC, Société Coopérative d'Intérêt Collectif, dans laquelle il y a les producteurs, il y a les associations de producteurs pour élargir. Et c'est la SIC maintenant qui vend à la cuisine centrale, qui fédère les producteurs et qui revend à la cuisine centrale. Voilà. Et on part sur une ordonnance verte pour développer encore les produits bio vers les femmes enceintes du territoire, oui, à l'image de Strasbourg. Formidable. Merci beaucoup. Tout est parti de l'eau, c'est absolument passionnant, et de cette démarche où à un moment, quelqu'un a pris une décision qu'on ne peut plus planter de maïs sur les zones de captation. Qui est ce quelqu'un qui a cette autorité pour l'imposer ? Ça, c'est extraordinaire. Jean Massé. non, ça suffira. Hélas. Alors, chaque captage d'eau potable est géré par quelqu'un. Ça peut être la commune ou une collectivité, ou un syndicat si c'est plusieurs communes qui se sont regroupées. Et dans ces cas-là, c'est géré directement, c'est ce qu'on appelle une régie. Ou alors cette régie, elle délègue quelqu'un d'extérieur, elle délègue le service de gestion à la SOR, Veolia. Voilà. D'accord. Donc en fait, je me tourne vers Jean, du coup, est-ce que la régie Puisé-Forterre a ce pouvoir ? Nous, à Saint, l'eau était pourrie, c'était pas difficile, il y avait un arrêté préfectoral, plus le droit de distribuer l'eau. Sauf que l'eau de Saint, c'est intéressant parce qu'elle est au milieu, c'est de l'eau de source superficielle qui se recharge vite, c'est pas de l'eau profonde, elle coûte pas cher à pomper, il y avait juste à la traiter. Enlever les pesticides dedans et puis l'azote. Sauf que les pesticides, tu poses du charbon actif, c'est facile. Nous, c'était l'atrazine à l'époque. Hein, on avait ce problème-là. Et c'est pour ça qu'il y avait un arrêté préfectoral. Et puis l'azote, c'était 65 mg. Et maintenant, les agriculteurs, on dit, vous supprimez... Enfin, on le dit pas comme ça. Parce que si tu le dis comme ça, tu fais la guerre. Mais on a dit, il faut, sur le périmètre rapproché, il y avait à peu près 1500 hectares, 1500 à 2000 hectares, il faut minimum... 400 hectares d'herbe, et puis supprimer le maximum de maïs, faire de l'herbe à la place de faire du maïs. Donc faire de l'élevage. Mais nous, on avait déjà de l'élevage, c'est pas un problème. Sauf que nous, on n'a pas des terres tellement à maraîchage. C'est pour ça que c'est une culture, le maraîchage. Il y a des régions où c'est facile, chez nous, c'est pas si facile que ça. On n'a pas forcément des terres tellement à maraîchage. La preuve, je vous disais, ces deux petits maraîchers, enfin, 3-4 maraîchers, chez nous, ils ont du mal, parce qu'avec la flotte, avec les sécheresses, avec les argiles, c'est pas facile. En tout cas, c'était compliqué, mais nous, on a fait ça, et on a donné une prime aux agriculteurs. Tous les agriculteurs qui sont dans ce périmètre-là, ils ont 50 euros de l'hectare depuis 2003. Et ne vous inquiétez pas, ils laissent les hectares en herbe. Hein. Parce que 50 euros, ça paraît rien comme ça. Mais tu les exploites comme si tu exploitais un champ normal. Sauf que tu couches 50 euros en plus. Ça te fait un petit à côté. Et depuis ce temps-là, les nitrates, nous, on est à 40 mg. Les pesticides, la trazine, il y en a encore un peu. Mais bon, on a les charbons actifs.
qui gère. Et puis la trazine les... interdite depuis à peu près 30 ans. 20 ans, 2000. Pardon. Oui, 90-2000, oui. Il n'est pas loin de 30 ans. Mais bon, il y a des fois, il y en a, et des fois, il n'y en a pas. Vous voyez, à peu près. Alors, pour ça, hier, on n'a pas parlé, je n'ai pas voulu en remettre une couche. Mais le glyphosate avec l'AMPA, ça sera pire, parce que l'atrazine, on la traite avec les charbons actifs. Tu les changes tous les 3-4 ans, c'est bon. L'AMPA, si vous avez de l'AMPA dans votre charbon, dans votre eau, vous ne pouvez pas la traiter avec les charbons actifs. À l'heure actuelle, on ne la traite pas. Ça veut dire que quand nos nappes phréatiques, les superficielles, ça va aller vite. Mais les profondes, quand ça va arriver dans les profondes, on ne pourra pas les traiter. Alors, vous imaginez l'eau. Je peux pas vous faire de dessin. Alors moi, c'est pareil, dans mes réunions, puisque je suis responsable de la qualité de l'eau, je suis un grand syndicat, je dis tout le temps dans mes réunions, les paysans, vous n'utilisez pas de Roundup, vous n'utilisez pas de Roundup, parce que l'AMPA, on ne pourra pas le traiter. Il y en a qui comprennent. Mais... L'AMPA est un métabolite qui est issu de la dégradation du glyphosate. Voilà. Donc là, on parle de l'herbe, on a fait pareil. Ce qui veut dire que qui c'est qui mange l'herbe ? C'est les vaches. Donc, qui c'est qui mange les vaches ? C'est nous. Donc tous ceux qui sont végétariens, on leur dit, si vous êtes végétarien, ok, mais dans ces cas-là, construisez-vous des maisons en vrai bois, achetez du meuble en vrai bois, parce qu'il faudra qu'on boise. Si on n'a plus de bêtes, il faudra boiser. Il faut garder des abattoirs, il faut garder de la viande, il faut manger de la viande. Alors, il faut ou... adapté, faire autre chose. Parce qu'on a aussi l'enjeu de réduire la consommation de viande, et notamment de viande rouge. Enfin, la production de bovins demande à être réduite pour répondre aux enjeux climatiques. Non, mais par contre, les gros élevages, ok, mais bien sûr. Non, mais surtout, en fait, effectivement, les gros élevages, et quand on... Et quand on mange, je veux dire, un bœuf qui a été élevé correctement... c'est de la vraie viande et ça nourrit. Donc il n'y a pas besoin de... Enfin, pour un vrai bœuf, je pense qu'on peut avoir 5 bœufs industriels combien pollués. Je viens de dire réduire. Oui, et manger juste... Alors, viens de dire réduire, de la bonne, c'est important. Et je disais, c'est pas parce que c'est désagréable à entendre que c'est faux, il va falloir massivement réduire. Je suis surpris que ce soit le moment où là, on sent que ça se crispe un peu sur scène. Non, ça ne se crispe pas parce qu'en fait, moi, je suis convaincue que... avec un poulet qu'on achète chez nous, alors il fait 1,8 kg quand vous l'achetez, quand vous le cuisez, il fait toujours 1,8 kg, on mange à 5 dessus et il y en a encore pour le lendemain. Et ben, il y a besoin de manger 3 poulets du supermarché, donc au niveau du prix, déjà, on s'y retrouve pas. Et en plus, il n'en reste pas, quoi. Donc en fait, je pense que pour un poulet, ça peut faire 2 repas. 3 poulets pourris, ça en fait 1. Donc c'est effectivement, si on mange 3 poulets pourris, on ne peut pas en manger tout le temps. Si on ne peut pas manger de la viande tout le temps. Si, alors peut-être il y a tout le temps et tout le temps, hein, je ne dis pas à chaque repas. Voilà. S'il y a 20% de poulets qui est en élevage extensif contre 80% en intensif, et pour les vaches, c'est exactement l'inverse. Donc on a trop de vaches en France, et c'est dommage. En tant qu'éleveuse, vous réagissiez en défendant tous les éleveurs, alors que non, il faut réduire massivement l'élevage de vaches en France. Ce n'est pas du tout ce qu'elle dit. Ce n'est pas ce que je dis, moi. Excusez-moi, si quand on dit pour une vache, machin, il y a 5 vaches industrielles, non, en fait, il n'y en a pas 5 vaches industrielles en France, déjà, pour une vache en extensive, donc arrêtons. Et il faut massivement réduire l'élevage de cheptel de vaches en France. Et c'est indispensable que même les éleveurs soient des alliés, surtout les éleveurs de viande blanche, qui sont des alliés pour le climat. Je suis 100% convaincue qu'il faut diminuer les élevages industriels. Et ça, il n'y a pas de question là-dessus. On a besoin des vaches, on a besoin du fumier pour faire des légumes. Enfin, je veux dire, à un moment, on a besoin des chèvres pour pâturer, pour pas qu'il y ait d'incendie dans les forêts. On a besoin des moutons pour pâturer aussi. Enfin, il y a besoin de l'élevage. Comment on fait des légumes si on n'a pas de fumier ? Ou bien, on a besoin de repenser les choses. C'est fou. Vous avez dit, ou bien il faudra reboiser. Ben, peut-être qu'il faudra reboiser. Bah, c'est ce qu'on fait, hein. Mais il n'y aura pas de fumier, donc on mange des légumes avec des engrais chimiques. Merci beaucoup. Je n'ai pas fait beaucoup d'études, donc je ne sais pas exactement le 87,9 où il faut se laisser le temps de se convaincre, en fait. Et puis, je pense qu'ici, on est entre convaincus. Pour ceux qui ont réussi à avaler tout le week-end et être restés jusqu'au bout, c'est probablement que... Ici, en fait, on est... Voilà. Donc, c'est juste de ne pas venir avec des idées préconçues, peu importe même si elles sont vraies ou c'est celles qu'on a lues chez notre
interviewé le plus du enfin le plus notre préféré, que ce soit Jean Covici, Barrault, je sais pas quoi, enfin bref, voilà, il faut vraiment qu'on fasse gaffe à, justement pour l'entente de ce que vous disiez, madame Combes, il faut qu'on fasse hyper attention à avancer ensemble et pas arriver avec à mettre des coins comme ça qui en fait interdisent l'échange, puisque chacun s'arc-boute, mais ça c'est la base de nous, ce qu'on vit en scope par exemple. C'est-à-dire que le gars, il va dire son truc, il croit tout savoir, et l'autre, il dit, oui, bon, bah voilà, t'as causé, mais bon, nous, entre-temps, on avance, quoi. Voilà, c'était juste... Pour apporter une précision supplémentaire, on a parlé agroécologie hier, très fortement, l'élevage fait partie intégrante de l'agroécologie, on sait que les bovins produisent un fumier qui est de qualité, et on sait aussi que les bovins sont beaucoup plus concernés que d'autres ruminants, par rapport à toute la filière, que ce soit la filière lait, que ce soit la filière viande, en termes de production de gaz à effet de serre. Ça, c'est une certitude. Et donc, il est évident aujourd'hui qu'il faut absolument réduire le cheptel très fortement. Ça, c'est une certitude. L'agroécologie aujourd'hui ne sait a priori pas se passer de l'élevage dans son modèle. Il y a des recherches. J'ai évoqué hier, ça a fait un peu crisser la salle, et ça a un peu fait crisser la scène, qu'il y a des recherches autour d'une agriculture végane, qui est une piste de recherche. On cherche vraiment par tous les moyens, effectivement, à remplacer certaines chaînes, certains éléments de la chaîne trophique agronomique qui manquent, comme par exemple des régions où on ne fait pas d'élevage, où on ne sait pas en faire, où on ne peut pas en faire pour des raisons de climat parfois, pour des raisons de sol, pour plein de raisons, de remplacer par exemple une partie de cette matière organique par du bois transformé ou pas. Actuellement, et je dis bien actuellement, on a des impasses. Voilà, c'est une certitude. Et des régions qui sont déjà parfaitement équipées pour l'élevage bovin, qui ne sont pas forcément équipées pour l'élevage ovin et d'autres viandes blanches qui sont peut-être moins émettrices, doivent transformer leur filière en profondeur. Et tout ça, c'est malheureusement extrêmement lent, parce qu'on ne va pas pouvoir juste claquer des doigts et y parvenir. On a eu le cas tout à l'heure avec les noix-noisettes de Bourgogne. C'est une filière... On parle pourtant que de fruits à coque, un truc relativement facile, qui a pris 10 ou 15 ans, et les gars, ils se retrouvent à devoir irriguer, ils ne savent pas comment ils vont irriguer dans les prochaines années. Ça a mis 15 ans à mettre en place, et c'est peut-être, ce n'est pas le cas a priori, mais ça pourrait être déjà obsolète. Donc tout ça, en fait, ça demande beaucoup, beaucoup d'humilité. On a des objectifs qui sont communs, je pense, à tous, des grilles de lecture qui ne sont pas systématiquement les mêmes, mais effectivement, je pense qu'ici, tout le monde est d'accord quant au fait qu'il faut que le cheptel diminue très fortement, et donc la consommation de viande. Maintenant, il faut voir comment et pourquoi, on va y parvenir. Et j'espère qu'on apporte beaucoup d'éléments de réflexion là-dessus. Après, tout le monde aime le fromage. Hein. La vache, c'est aussi du fromage. Hein. Oui, mais on a évoqué aussi hier la pollution liée à la production laitière et les épandages de lisier, etc. Et justement, comment peut-être on a des leviers de réduction de tout ça. Rien n'est simple. Merci en tout cas, c'était une intervention qui méritait d'être évoquée, puisque ça fait réagir et il faut en parler. C'est absolument indispensable d'en parler. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ou tout le monde a peur maintenant ? Il y a notre cuisinier, il y a Romain qui va partir. Donc si jamais vous avez des questions pour Oui, questions prioritaires qui concernent Romain. Vas-y, juste pour parler des modalités de contact du cuisinier, de suivre ce qui se fait, parce que ça m'intéresse directement. Et donc s'il y a moyen de vous suivre, de regarder ce que vous faites, etc., ça pourrait être cool. Moi, je croyais que en fait, j'avais inventé un nouveau modèle, et puis assez vite, je me suis rendu compte qu'il y en a qui étaient allés beaucoup plus loin, beaucoup plus fort, depuis beaucoup plus longtemps. Et en fait, il y a tout un tas de réseaux en France, et l'intérêt déjà d'avoir ce panel-là, c'est de voir ce qui vous correspond à vous directement. Bon, après, je vais pas raconter ma life, mais je suis dans la prévention des risques liés à l'anthropocène, donc absolument rien à voir. Mais il s'avère qu'on traite aussi beaucoup de sujets liés à l'alimentation, de l'affectation des sols. Ma partenaire Ludivine, elle a bossé pour la FRB, donc sur beaucoup de sujets liés à la FRB, Fondation pour la recherche sur la biodiversité, pardon. Et donc aujourd'hui, là, j'aimerais moi, c'est un cas concret. Tu parlais tout à l'heure de quelqu'un dont qui voudrait faire ça. Bon, bah voilà. Admettons que je veux. 2000 euros par mois, c'est ça ? Alors, c'est exactement que ça qui m'a intéressé. Non, c'est. Admettons, en septembre, je veux faire une formation à Villevallier, vraiment par hasard, de cuisinier en restauration collective, vraiment un gros hasard. Des structures dans le genre, moi j'ai cherché un petit peu, je vois surtout des grosses cuisines centrales très moches, vraiment, où en fait c'est du Sodexo. Et voilà, ce type de réseau, comment ça s'ouvre, comment même il y a des échanges, comment après il y a des porosités, même avec nous, nos interventions dans les collectivités.
ce genre de choses. C'est pour ça que je voulais des modalités de contact. Nous, on est à ta disposition. J'imagine que ça va peut-être faire écho si tu habites dans le coin à des projets que certains par ici peut-être voudraient voir émerger et qu'il faut un porteur de projet et que c'est un peu comme avec les paysans. En fait, c'est une prise de risque personnelle. Une SCOP, c'est une entreprise en fait. Donc le jour où on est passé de SAS en SCOP SAS, non seulement j'avais pris des risques financiers, mais en plus je m'asseyais sur la valeur du fonds. En fait, le jour où on a signé en SCOP, je me suis assis sur 150 000 euros de valeur de fonds. Maintenant, j'ai plus que mon salaire pour pleurer. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a élevé à un certain niveau. Et je dis aussi sur le côté dimension, parce qu'à chaque fois, ça fait un peu la blague débat. Mais en fait, les gamins de Dijon, ils sont 5 000 et eux aussi, ils ont besoin de bien bouffer. Et oui, c'est vrai qu'on aimerait bien que la France soit un paysage de petits villages de campagne sympa pour prendre des photos, pour se faire élire au présidentiel. Mais la réalité, en fait, c'est que 90% des gens, ils habitent dans des grandes villes. Donc il va vite falloir se poser la question de savoir comment est-ce qu'on organise l'alimentation de ces pôles-là, quoi. Donc c'est pour ça qu'on a besoin que les gens ici s'affûtent, parce qu'il y en a qui n'ont pas forcément envie de se poser la question. Donc il faut qu'on... Allez-y. Si vous êtes motivés, allez-y. Il faut vraiment y aller. Je pense que c'est le moment, particulièrement avec l'actualité en ce moment, des producteurs qui, à mon avis, sont en train de jouer leur dernière carte. Oui. Je pense. Moi, dans mon bled, c'est pas le cas chez vous. À Velem, mon beau-père, il était agriculteur céréalier en GAEC conventionnel, tout ce qu'il y a de plus classique. Heureusement, ils ont fait une ferme solaire. Il y a 30 ans, ils étaient 40 exploitants. Et le cours du céréal était négocié ancienne région. 30 ans plus tard, ils sont moins de 10, et le cours du céréal, il est négocié à Philadelphie, si je ne dis pas de conneries. Chicago. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait ? Ah, vous et êtes au point, le public. Et quand vous regardez la descente, non, mais je vous apprends rien, j'ai pas cette prétention-là, mais c'est juste pour vous redire qu'en fait, là, il faut profiter de la situation pour venir, effectivement, rigoureusement, en disant, voilà, en se laissant pas faire, mais qu'en en fait, il faut mesurer vraiment la tâche qui est considérable. Enfin, on part quand même, si on est d'accord sur le chiffre, c'est 95% de ce qui est de ce qu'on mange est importé, et pareil pour ce qui est exporté. De base, le constat, il est sans appel. C'est pour ça que ma question tout à l'heure à monsieur le maire, c'était d'accord pour les micro-fermes qu'on installe, on fait quoi pour les 90% de conventionnels ? 70%. Mais il faut savoir que ce qui est produit en France, ça part à l'étranger. Hein. Tout le conventionnel part à l'étranger. Oui. Donc en fait, voilà. Mais si production et consommation sont complètement décorrélées. C'est ce que voilà. Les gamins à la cantine, 70% de la viande, c'est marrant parce que c'est le miroir inverse, elle est d'importation. C'est ouf. Enfin, y a vraiment un souci. Les panneaux renversés, qu'on aime ou pas la FNSEA et les jeunes agriculteurs, enfin, je suis désolé, mais ils ont raison. Y a vraiment un souci. Je profite de l'auditoire pour vous alerter sur ce qui se passe à Venoix, sur le lycée agricole de la Brosse, où le maire de Venoix, qui est quand même conseiller départemental et qui a le ballon auprès de la SAFER, a mis dans son PLU il y a 17 ans 90 hectares qui vont devenir des terres d'une zone d'activité. Et donc... le lycée agricole va être vraisemblablement exproprié de ces terres alors qu'ils sont passés en bio et qu'on a attendu à 20 ans cette histoire. Donc il se trouve que c'est la folie, et donc il faut absolument qu'on se mobilise pour garder les terres agricoles du lycée à proximité du lycée. Et pour ça, on a déjà 40 hectares, en tout cas 36 hectares qui ne seront pas vendus. Puisqu'on a une adhérente qui a ce plateau et qui loue ses terres, y compris les terres de la vallée du Cinote. Donc je lance un SOS, rejoignez les associations, faites quelque chose, ça va finir par passer. Le maire d'Auxerre achète les terres pour l'agglo, 14 fois et demi le prix des domaines. Non, mais il faut aussi savoir que nous, en tant qu'agriculteurs, toutes les semaines, on a des gens qui viennent nous démarcher pour récupérer nos terres en photovoltaïque. Voilà. Et franchement, dans la galère financière dans laquelle toutes les fermes sont, si je regarde juste les prix, moi je fonce. Hein. On ne fait plus rien et on gagne plein d'argent. Non, mais je ne vous parle pas de problème de nos sols. Je vous parle de grandes tractations qui sont sur des projets flous, oui, mais même, complètement bidons.
Oui, mais on a besoin de se nourrir, en fait. Donc, on a besoin des terres. Bah, c'est ce que je vous dis. Oui, exactement. Donc, c'est un peu le même... C'est ce que je vous dis. Mais je veux dire, le maire de Serres a refusé de vendre des terres industrielles pour la zone d'activité d'Appoigny à des boîtes qui avaient envie de s'installer. Bon. Et lui, ce qu'il veut, c'est que ça se passe sur sa commune. Et donc, la commune, elle est hyper fragile au niveau du sol. C'est des sols karstiques au-dessus d'un petit ruisseau qui s'appelle le Rutsinote, qui est 14 km de long, rivière première catégorie. Pierre Curmi est venu à notre secours sur la qualité des sols. Et je vous dis, attention, parce qu'une fois que tout va être enregistré chez les notaires, on l'aura dans le baigneur. Et c'est les élèves de la brosse qui vont être... qui vont pâtir, parce que merci. Ça ne se fait pas tout seul, la mise en bio. On a attendu 20 ans. Hein. D'accord, merci beaucoup. Ça a été entendu, c'est enregistré, et en plus, ça sera en vidéo et rediffusé. C'est une très bonne pub pour le maire de Venoy. ce que je tiens à dire quand même, c'est qu'il y a quelque chose qui est revenu absolument tout le temps, c'est la nécessité de faire collectivement les choses. Le facteur humain est réapparu tout le temps. Alors, on a parlé du PFH, le putain de facteur humain, et on va pouvoir aussi parler du FFH, le formidable facteur humain, puisqu'on a quand même beaucoup de personnes ici qui sont toutes venues, qui ont dit l'argent, c'est important, mais pas toujours. Des objectifs qui sont, bah, effectivement, plutôt que de faire du photovoltaïque sur sa ferme, payer 4 fois le prix de ce qu'on y récolterait, dire je préfère nourrir mon territoire. C'est des gens qui sont investis en disant on a une eau dégueulasse, il va falloir qu'on agisse. Des personnes qui ont dit le bio a des difficultés, on va faire en sorte que les agriculteurs se mettent ensemble. Des élus qui disent on va nourrir le territoire avec ça et qui trouvent les moyens de griller les normes réglementaires. Et ça, je pense que c'est peut-être la conclusion de ces états généraux de cette année, c'est que PFH, FFH, c'est vraiment une histoire d'humain et de faire ensemble. Merci beaucoup à tous. Merci au collectif qui a permis ça. Et voilà.